rentrer chez moi, je vais manger là. Et j'étais sur Twitter. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. J'y vais pas souvent sur Twitter, je poste souvent des trucs et je lis pas trop en fait ce qui se dit. Là, je suis allée voir. Il y a des gens qui font des révélations sur des gens. Il y a des gens qui ressortent des trucs du passé des gens. Il y a des gens. Pourquoi vous faites ça en fait? Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'existent plus et qui essayent d'exister au travers des autres. Et en faisant du mal aux autres, du coup, bah, ça incite les gens à regarder. Et du coup, ils existent. Mais c'est un truc que moi, je comprends pas en fait. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi, en fait, les gens qui font ça ne se mêlent pas de leur vie, de leur cul, au lieu de regarder ce qu'a fait l'autre avant dans sa vie? Ok, il a fait ça dans sa vie avant. Et alors? Regarde où il en est aujourd'hui. Regarde que cette personne, elle a envie d'y arriver. Elle a envie de se tirer vers le haut. Elle a envie de... J'arrive pas à comprendre. Tu fais des révélations. Ouais, j'avais vu qu'elle avait fait ça. Ouais, regardez, j'ai reçu tel texto. Eh, mais pourquoi vous faites ça, en fait? J'arrive pas à comprendre, vraiment. I don't! Du coup, faut que je sois honnête avec vous. Ce genre de choses que je vois, ça me fait bien rire. Et... Je suis partie de la France en fait pour certaines raisons, mais ça fait partie des raisons que je ne crache pas du tout sur la France. Je suis aujourd'hui ici et c'est grâce à tout ce qui m'est arrivé en France et je suis très contente, mais simplement parce que on a fait de la télé-réalité, parce que j'ai pu faire du gogo où j'ai une image super sexy. Toutes les portes sont fermées en France, tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas danser, tu ne peux pas faire. Allez, télé-réalité, gné. Pourquoi? Mais pourquoi ici c'est différent? Les gens font de la télé-réalité, ça devient une superstar. Je veux pas devenir une superstar, je m'en fous. Simplement, arrêtez de critiquer, arrêtez de regarder les gens parce qu'ils ont fait ça dans leur passé. Et bien en fait, ils sont ça, ils sont catégorisés comme ci, comme ça. Tout le monde fait des erreurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas grave. Laisse la chance aux gens. Elle a fait des erreurs avant, peut-être, cette fille-là. Et bien aujourd'hui, elle a envie de devenir quelqu'un d'autre. Et bien pourquoi elle pourrait pas? Parce qu'elle a fait ça! Mais laisse-la tranquille. J'ai vu des choses sur des gens sur Twitter. Je me dis, mais putain, mais jusqu'à où les gens ils vont? Bref, c'était la petite aparté parce que j'ai vu des choses et je me dis, mais vraiment, les gens ils sont tellement méchants. Mais j'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous m'avez déjà vu, moi? Je vais pas m'envoyer des fleurs. Est-ce que vous m'avez déjà vu mettre quelque chose sur Twitter en disant, peut-être à l'époque, allez, quand j'ai dû faire les Marseillais, des trucs. Je suis toujours en contact avec certaines personnes et quand on essaye de m'attaquer ou ce genre de choses, j'en ai rien à foutre en fait. Parce que je suis heureuse dans ma vie, je suis bien. Pourquoi je vais donner de l'importance aux gens qui essayent de faire quoi que ce soit? Faites pareil, putain, j'en sais Faites l'amour, pas la guerre, les amis, putain! Non mais sérieux, soyez contents de ce que vous avez, on n'a qu'une vie. Pourquoi faire des choses comme ça? Moi, c'est ce que je me dis tous les jours. J'ai qu'une vie, profite. Profite avec un certain respect, de certaines limites, et chacun a ses respects, et chacun a ses limites. Et c'est ce qu'il faut respecter surtout, c'est chacun est comme il est, tout simplement. Bon, bah, je vais partir à la danse là. Je suis motivée. Je voulais faire un bisou à tous ceux qui me soutiennent. Parce que bah, voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des petits messages gentils. Voilà. Sachez que les messages méchants ne m'atteignent pas, j'en ai rien à cirer. Mais que je vois quand même vos messages gentils. Donc merci du soutien, les amis. Je vous fais des bisous et des bisous. Et je vous souhaite une bonne soirée parce que je pense que chez vous, c'est le soir. Oh merde! C'est quoi ce filtre à la con? What the fuck? J'ai qu'un sourcil. Un sourcil.